je vous emmène en concours avec moi. Alors c'était mon premier concours en extérieur avec Siwel et c'était à Villers-Vicomte. Donc c'était très matinal, on est arrivé à 4h30 aux écuries. La première chose que j'ai fait c'est d'aller voir Siwel, lui faire quelques câlins et après on est parti leur faire les fils à foin. Donc j'ai fait ça avec Emma et je vais pas vous cacher que ça faisait un peu peur dans le noir d'aller faire les fils à foin le matin comme ça. Donc une fois qu'on a fait tous les filets à foin et tout, on a été les mettre dans le camion et là j'ai été chercher Siwel pour lui passer un petit coup de brosse et tout dans la queue, surtout parce qu'il avait plein de paille partout. Et après j'ai mis les guides de transport et après je l'ai mis dans le camion. Il était un peu stressé à l'idée de monter dans le camion mais il a un peu hésité quand même, mais après il est monté tout seul et ça a été, après pendant le transport il était un peu stressé aussi mais bon ça s'est relativement bien passé. Donc après ça, on a pris la route, la lumière s'est levée et tout, il faisait jour et on est enfin arrivé à Villers-Vicomte. Le club était top et les pistes aussi, du coup franchement on a passé un super concours. Ensuite j'ai été préparer Siwel et je me suis mis à cheval pour commencer à aller à la détente vers 10h15. Désolée j'ai pas pu filmer à la préparation de Siwel en fait parce que ma mère et tout elle m'a aidée, du coup on n'a pas pu filmer mais ça s'est bien passé. Juste il a plu tout pile au moment où on a commencé à préparer mais heureusement qu'au moment où j'ai été sur mon tour ça s'est arrêté. Donc là je descends au paddock de détente, franchement il était pas trop regardant, il stressait pas, rien, il était ultra calme franchement, il était vraiment trop bien, que ce soit à la détente comme sur le tour. Donc là je fais le début de la détente, alors je l'ai détendu bien évidemment pas trop au galop et après j'ai été sautée et pareil il était top comme vous pouvez le voir, il était ultra calme, moi aussi j'étais pas stressée rien donc franchement il était vraiment extra. Donc après on a commencé à sauter sur le vertical et après j'ai été sur l'auxerre et pareil il était top malgré les petites erreurs aussi que je peux faire. Comme d'habitude que ce soit à la maison, en concours, un peu partout, passer devant avec mes épaules mais après franchement il était top. Là je vais sur l'auxerre, bien évidemment j'ai pas sauté que 2 fois, hein, je tiens à vous le dire, on a mis très vite fait les sauts de la détente et ensuite je pars sur mon tour donc pareil le tour s'est ultra bien passé. Bon je vais vous laisser un peu regarder mon tour, franchement il s'est bien passé malgré des erreurs qui sont totalement de ma faute, que vous allez voir après comme des petites dérobades ou quoi, mais franchement après ce que je retiens c'est que j'ai vraiment eu un poney top sur le tour qui était à l'écoute et tout, et puis après je peux pas être parfaite non plus, les erreurs ça vient de ma faute donc après c'est à moi d'apprendre à plus faire ces erreurs là et tout, mais franchement il était vraiment top. Après, ça fait seulement 6 mois que j'ai Siwel, du coup, faut encore un peu que le couple cheval-cavalier se fasse et c'est pour ça qu'il y a encore des petites erreurs. Mais franchement, je retiens quand même que j'ai un poney qui est bien dans sa tête et tout et qui est franc et c'est vraiment le poney que je voulais idéal pour moi. Du coup, voilà. Voilà, je vous ai laissé regarder mon tour. Là, je fais une petite barre sur le dernier, malheureusement, parce que je me suis trop précipitée. Mais le reste du parcours était vraiment top et tout. Enfin, franchement, j'avais un poney génial. Tu te laisses un petit peu derrière, tu rallonges un peu, tu te laisses un petit peu faire. j'essaie, il faut que ça fonctionne, un petit retour, je te dis un coup de jambe, il dit ok. C'est dommage parce que tu vois, même la faute du 11, tu te rentres dans ton virage, si tu avances, tu pars devant. Ouais, je me suis rendu compte quand j'ai eu mais tu sais, moi je préfère ça. C'était propre. C'était un beau tour. Voilà, c'était dessiné. C'est la première sortie extérieure. Bah oui. Et puis il y a encore un peu de travail, tu sais sur quoi voilà. Il faut travailler. Et bien, tu vois, c'est important, toujours sorti d'une courbe, de recoller ses deux mains et de donner du cadre. Parce que sinon. T'es contente de toi quand même. De toute façon, on a plaisir là. Donc là juste avant vous voyez mon coach qui me parle de mon tour et là je rentre au camion pour le déceler et tout. Et pareil j'ai pas trop de vidéos où je le décèle mais parce que ma maman m'a aidée mais voilà après j'ai quand même quelques vidéos. J'ai pas fait de conclusion parce que franchement j'étais trop fatiguée comme vous allez le voir sur les images juste après. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme vous le faites à chaque fois. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!